L'ONG Happy Life and Peace a organisé dans le cadre de la célébration de Saint-Noce d'été une conférence inaugurale le samedi 19 octobre 2024. Axée sur le thème « Le numérique et l'employabilité des jeunes », cet événement qui marque les 10 ans de l'ONG a réuni divers acteurs, notamment des conférenciers spécialisés, des jeunes participants et bien d'autres. Objectif, sensibiliser les jeunes sur le numérique et ses multiples facettes. La jeunesse est la relève de demain. Donc aujourd'hui, maintenant, si et tu veux être bon demain, et vu aussi ce que le gouvernement a mis en place, tout ça là, si tu n'as pas une base dans le numérique, tu vas rater beaucoup d'opportunités. Donc le mieux serait alors pour nous jeunes de saisir ces différentes opportunités-là, de se faire former et de bénéficier plus tard des fruits qui vont retomber. Le but visé, c'est d'abord de faire comprendre aux jeunes qui nous sommes les métiers du numérique. Divers aspects du numérique, notamment les compétences à prioriser, les obstacles à surmonter et les opportunités à saisir dans un marché en constante évolution ont été abordés par les différents panélistes. L'occasion a été également saisie par les responsables de l'ONG pour revenir sur les domaines d'intervention de Happy Life and Peace. L'ONG intervient dans plusieurs domaines, comme les TIC à travers des formations en informatique, en sérigraphie, en chantonnage et autres. L'ONG intervient également dans le domaine de l'environnement à travers quelques activités comme la commémoration de la journée de l'arbre chaque 1er juin de l'année et la journée mondiale également de l'éco-jogging et quelques activités ayant trait à l'environnement. L'ONG intervient également dans le social et dans l'autonomisation des jeunes et des femmes à travers quelques activités rémunératrices. À l'issue de la conférence, les participants visiblement satisfaits ont salué la pertinence des notions abordées. Ils ont par ailleurs lancé un appel aux jeunes afin de les inciter à prendre le numérique comme un levier de transformation. Aujourd'hui, le secteur du numérique est un secteur incontournable. Et pour évoluer, il nous faut des compétences dans le digital. Et cette communication, je savais un peu du numérique, mais ça m'a apporté un de plus sur le numérique, les métiers que ça nous offre et aussi son rapport avec l'employabilité de nous les jeunes. Et je remercie sincèrement l'ONG Happy Life and Peace. Aujourd'hui, on ne peut pas faire quelque chose sans le numérique. Et je crois que cette organisation, et cette ONG, et Happy Life and Peace, est bien placée et a bien pensé à cette jeunesse en mettant à notre disposition cette idée. Et donc, à partir d'aujourd'hui, j'invite mes camarades surtout à intégrer le numérique parce que ça va beaucoup les aider dans les années à venir et ce sera beaucoup une opportunité pour chacun de nous. Je finis cette conférence avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis encore plus heureux parce que non seulement nous sommes engagés à soutenir cette activité, non seulement parce qu'on parle d'employabilité, le droit à un emploi est un droit fort chez nous. Cette conférence inaugurale a marqué le début des festivités prévues pour les 10 ans d'existence de l'ONG Happy Life and Peace et a posé les bases d'un engagement renouvelé en faveur de l'employabilité des jeunes à l'ère du numérique.